clip. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, car ta volonté est la justice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعون Excellence, Monsieur Alhaj Alassane Ouattara, Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers parents, tous en vos rangs, grande et qualité, je vous adresse le salut fraternel. Le salut des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort a encore frappé. Oui, la mort a encore frappé. Mais c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste. Dieu, l'unique. Le suprême, mais le miséricordieux et le tout miséricordieux. Il a créé sans être créé. C'est lui qui met fin à l'existence des créatures. Mesdames et messieurs, nous sommes là cet après-midi, hommes et femmes, guides religieux, chefs coutumiers, hommes politiques, tous rassemblés derrière notre père, le chef de l'État, Alhassane Ouattara. Pour accueillir la dépouille de notre frère Ahmed Bakayoko, Ambak, le Golden Boy pour d'autres, qui est parti d'Abidjan vivant. Oui, il est parti ici vivant. Et qui nous revient dans un cercueil. Oui, dans un cercueil. Ahmed Bakayoko est revenu en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la caisse que vous voyez devant nous, emballée du drapeau de Côte d'Ivoire, dans cette caisse, et à votre frère, le Premier ministre, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui est couché là. Seigneur, Allah, on aurait voulu, on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie. Et accueilli par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, Maman Dominique Ouattara, et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autrement. Seigneur,
Nous nous soumettons à ta volonté, car ta volonté est la justice. Mesdames et messieurs, Dieu dit dans le verset 88 de la sourate 28, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tout périra sauf son visage. Oui, tout périra sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Mesdames et messieurs, Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre, ni si c'était l'argent. Je ne pense pas qu'il serait parti. Oui. Si c'était l'argent ou l'argent, si l'argent pouvait le retenir avec nous, il ne serait pas parti. Mesdames et messieurs, à nous de répondre à cette question donc. À qui le tour prochain? Soit organisé, s'il vous plaît. Je le répète, nous restons tous sur place, mesdames et messieurs, afin que le cortège funéraire soit organisé, s'il vous plaît. Merci.